pour expliquer à mes petites nièces que l'on devait bien regarder un tableau. Il y a le fil rouge que l'on va trouver sur les 1, 2, 3, 4, sur les 6 images. Il y a quelque chose qu'elle devait trouver, c'était le bateau. Le bateau va avancer à l'horizon. Il y avait aussi la signification des couleurs. Le jaune, c'est le bonheur, la joie. Le vert, c'est le désir, l'espérance, l'envie, l'attente. Et le gris, c'est plutôt le mal-être ou le manque. Alors, ceux-ci sont les deux premiers. Donc, je vais mettre les suivants. Donc, rappelez-vous, le petit bateau, il est ici, il est là. Je vais donc. Le bateau avance. Le petit garçon n'est plus là. On voit, on devine une dame âgée. Le gris, on rappelle, c'est un peu le mal-être, la tristesse, ce qui ne va pas. Le jaune, ce qui va bien. On retrouve la ligne rouge. Évidemment, la mer, le ciel. La dame, la vieille dame s'en va, arrive, je peux changer de côté, le bateau est avancé, arrive, on peut supposer, un homme, parce qu'il a des larges épaules. Il a un chapeau jaune avec du vert. On peut penser qu'il est plutôt bien dans sa tête, qu'il a des idées, des envies, mais on voit que le corps est gris. Donc, le corps, la santé, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une partie qui ne va pas. On a le bateau, on va descendre. Le bateau avance, l'enfant, la vieille dame, l'homme sont rentrés, maintenant vient une autre personne, on peut penser aussi que c'est un homme, on ne sait pas, mais là, le mal-être est dans la tête, c'est quelqu'un qui attend beaucoup de choses, et la santé, le pantalon est jaune, la santé va bien. La ligne rouge continue, le bateau avance, et voici la fin de l'histoire. Quoi ajouter? Je ne vois pas. Je leur ai posé quelques questions, je leur ai demandé est-ce que les personnes sont elles-mêmes sur un bateau ou est-ce qu'elles sont dans un immeuble devant la mer, là, on peut avoir les deux réponses. Donc, leur montrer qu'il y a des choses qu'on peut comprendre et d'autres choses qu'on peut deviner ou qu'à un moment donné, il faut faire un choix.